Salut à tous, c'est Fabulous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme convenu pour l'épisode 17. Donc vous étiez nombreux à me demander la suite, donc la voilà. Donc on va commencer sans plus tarder. Et ce que je voulais vous dire aussi sinon, c'est que j'ai changé de micro, donc j'espère que vous m'entendrez mieux. Donc dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Donc elle veut quoi elle? Spectre. Alors je vais démunir. Au niveau de la vie. Et vu qu'on a un peu de sous-sous, on va essayer de se faire kiffer. Pistolet. Est-ce qu'il y a quelque chose pour le réflecteur? Ça serait pas mal ça. Du tout. C'est pas grave, on va en acheter. On va les pouvoir. Pour le cheval, là, on a quoi là? Pour le cheval, fin de juste, là, y'a rien. Oh là là. C'est laquelle que j'aime bien utiliser sinon. Je veux celui-là, moi, mais 1653 après, Maestra, ouais. Non, je vais attendre. Encore de l'argent. Voilà pour vous. On va regarder le temps. J'imagine que... derrière la banque. Et donc sa maison, on est là-bas. Allez, c'est parti. Ah, c'est là où ils font les patriotes. Les fameux patriotes. Déverrouiller ça. Elle a pas envie, là. C'est prêt. Alors, c'est tout ça qui m'intéresse. Les cristaux, c'est parti. Bien. Je me demande où peut se trouver le code. Elisabeth, un petit coup de main? Laissez-moi voir ça. Voilà. Alors, on retourne ici.
Ces visions là. Plein d'argent dans les poubelles, hyper logique. J'ai trouvé de l'argent. Dans la banque. Alors, ça sent l'attaque, ça. Ça sent le traquenard. Ils m'ont pas vu. Ah, merde. Oh, ils m'ont brûlé. Comment ils viennent ? Oh, j'ai tes souffrances. Alors, comme d'hab, on va checker la zone. Alors, commencer par ici. Alors, dans une salle des coffres déjà. Aux armes, mes frères! Oh,
je sais pas si je fais bien d'aller par là ou si on va y revenir après. Hop, on va prendre l'équipement déjà d'entrée. Les dégâts augmentent de 25% lorsque vous visez avec précision. Les dégâts sont réduits lorsque vous tirez au jugé. Je le prends mais je l'équipe pas. Je tire souvent au jugé. J'aime bien ça. Comment ça? 50% de tous leurs revenus sont versés à Comstock sous forme de taxes. Bien, voyons voir. Tapez trois lettres pour écrire la voix. Trois lettres? V-O-X. La machine à écrire. C'est la mission secondaire, ça, je crois, les amis. Prenez ce crochet. Ça pourrait bien nous servir plus tard. Cool. Ok, c'est cool ça. Alors les crochets déjà, et on a quoi de beau ici? On a un pigeon. On a du bouclier. Et ça bride partout là. Oh là là. Vous voulez garder ça? Prenez ça. Et puis en plus elle m'en rajoute. On va prendre celle-là un peu, pour changer. Lingot d'or, combien il fait celui-là? 500. Y'a rien dedans, on va checker parce que des fois. Non, y'a rien. Hop. Qu'est-ce qu'elle va nous raconter cette femme? Je sais que le prophète est un menteur, mais c'est impossible. Je sais que le prophète est un assassin, mais c'est impossible. Car si l'avenir ne réside que dans l'imagination divine, pourquoi irait-il le dévoiler à un monstre? Bon, on a bien fait de venir ici finalement. Ça nous a fait faire l'objectif secondaire. On s'est blindé de thunes. Ici c'est une impasse. Combien? Un. S'il te plaît, tu peux regarder cette serrure. Pas de problème. Carabine, on s'en fout. Et voilà. Encore de l'argent. Ok. Oh, regardez ça, on a plus de 4000. C'est un truc de fou, là. On va aller faire de la modif, là. Voilà. Elle est intéressante cette planque. Est-ce qu'on peut y aller ici? Non. Ok, bah alors là, on a fouillé toute la zone. On va retourner voir nos copains là-bas. Regardez si on pouvait monter là-dessus là. Ouais, c'est bizarre. Ça a pas l'air de se faire.
dans une planque, vous me direz, c'est normal. Hein. C'est quoi ça, ça sert à tout. Vous voulez garder ça? Une machine, je fais des folies. Ah, on a trouvé une faille. Ah, nouvel équipement. Alors, c'est quoi ça? Ce que vous laissez. Pff, non, je ne sais pas ça non plus. Alors. Tu peux rien faire. Par contre les balles, j'aime pas trop cette arme. Allez, ouvre la faille. Et si j'accepte de faire ça, tous leurs brevets seront sabotés? Absolument, monsieur Fink. Pourquoi diable le prophète veut-il faire tuer ces gens? La même raison qui avait tué madame Comstock. L'enfant. Et pourquoi veut-il que je m'en charge? Vous seul ferez passer ça pour un accident. Je ne crois pas que ce soit la vraie madame Comstock. Je crois que... c'est un mélange entre elle et les sentiments que j'ai à son égard. Comment ça? Je suis en colère. Contre elle et contre mon père. Elisabeth? Je crois que c'est elle, mais aussi un peu moi. Je suis même pas sûre de bien comprendre moi-même. C'est verrouillé. Je vais voir ce que je peux faire. J'ai remarqué cette manière dès qu'elle fait. Reste là-haut là, descends un peu, viens voir. Voilà. Elle est redoutable. J'ai trouvé de l'argent.
la modif. Donc je voulais celui-là, on va l'acheter. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est divisé en plus de parties, c'est cool. Est-ce qu'on en achète un autre? Je pense pas. Alors les dégâts, la dispersion, les dégâts du fusil à pompe. On va acheter la réserve du pistolet. 50% c'est pas mal. J'essaierai de reprendre le pistolet justement sur la fin du gameplay là. On va rester comme ça et puis on verra s'il nous propose autre chose après. Donc tu retournes par ici. Elle est où? Checker toutes les zones, hein. Je considère que c'est déjà fait. Tu peux ouvrir ça? Ok. Voilà. S'allume. Un peu de musique. Ah bah elle est là la dernière faille. Il y a des trucs à prendre, le fusil à pompe. C'est trop lent ça. C'est vraiment pour le corps à corps ça. Vous voulez garder ça? Vous êtes mort? J'ai pris la photo de votre enterrement? Oui. D'ailleurs, vous auriez pu vous approcher. Qui pourrait croire que la photo d'un cadavre se révèle aussi peu vivante? Retourne au portail de la maison. Donc, si vous vous rappelez bien, c'était dans les épisodes précédents. On avait essayé de mettre la main, enfin, Elisabeth avait essayé de mettre sa main pour se faire passer pour sa mère et c'était pas passé. C'est de la folie. Comment veux-tu prouver que Monsieur Fink s'en est pris aux lutèces? Les lutèces me l'ont dit. Les lutèces? Quand? Hier matin. Rupert, ils sont morts depuis 7 jours. La cadence de tir en fait elle est trop élevée. Voilà. Des munitions juste là. Et ils préféraient voir morts ceux qui connaissaient la vérité.
Je ne suis même pas sa fille. Je suis juste un spécimen à étudier et disséquer. Non, c'est faux. Elisabeth, écoute-moi. Ce que tu as vécu, personne au monde ne mériterait ça. Booker. On va s'enfuir d'ici, c'est compris? Et tu vas pouvoir oublier tout ça. Rosaline Nutes n'est pas ma mère. Et vous non plus. Et il vous a tué toutes les deux à cause de moi. Je sais que vous me détestez de ne pas être votre fille. Je vous ai détesté de ne pas être ma mère. Ce n'est pas encore fini. Allez, crève. Monsieur Dewey, vous êtes blessé. Dur. Un lance-grenade, Booker. Pas mieux tomber. On est situé, elle doit rester. De toute façon, elle va les chaque fois. Allez, une fois et c'est bon. Je n'ai rien compris. Non. Je ne vous laisserai pas mourir, Booker. Oh, elle m'a ressuscité, c'est pas magique ça. Non. Je n'ai encore rien trouvé. Non. Merci beaucoup. Allez. Un monde où vous ne le connaissez pas. Un monde où je l'ai sauvé. Je ne sais pas. Est-ce vraiment possible? Découvre-le, petite. Découvre-le. Merci.
les amis, j'étais en train de regarder le temps, on a dépassé la limite là. Donc ouais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se laisser ici. Donc j'espère que vous avez apprécié le gameplay. Donc on se retrouve pour l'épisode 18. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter. Dites-moi si le micro, si ça marche mieux au niveau de la qualité vidéo aussi. J'ai fait quelques modifs. Et puis n'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait plaisir pour suivre la suite de mes futurs gameplays. Et puis je vous dis à l'épisode 18 alors. A plus, bye bye, jouez bien.